Eh bien le bonjour, c'est Sim Kiki et je suis super heureuse de vous retrouver enfin pour notre premier épisode de notre Let's Play participatif Galera pas Sims. Avant de commencer, je voudrais simplement remercier quelques personnes. Alors tout d'abord Sonic69 et Damnatio qui m'ont aidé à finaliser et peaufiner, valider, j'ai envie de dire, le concept de ce jeu. Je voudrais aussi remercier SimsOlic, qui a permis de donner une certaine visibilité à ce let's play, notamment grâce à son compte Instagram. Donc je vous mets en barre d'infos évidemment le lien de son Instagram. Elle a une page Instagram qui est super bien faite. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Donc là vous voyez, vous en avez un petit aperçu. Donc merci encore à elle. J'aimerais aussi également remercier toutes les personnes qui ont voté dans la barre de commentaires et qui ont permis à cet épisode tout simplement de prendre vie. Donc merci à vous. Alors, on va se retrouver tout de suite en jeu et on va commencer que ce premier épisode. Allez, c'est parti. Alors, nous voici en jeu. Donc là, vous voyez quelques-uns de nos protagonistes. Tiens, pourquoi des enjôleurs? Il y a du sucre dans l'air. Bon, ça commence, hein. Donc, on va commencer par Aaron. Donc, Aaron, ok, super, t'es parti te baigner, ben, si tu veux. Vous avez été un certain nombre à vouloir que Aaron utilise donc son bonus en plus de bûches par tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite l'envoyer chercher du bois. Alors, en attendant, on va envoyer donc Nathalie et Michael. On va tout de suite les envoyer pêcher, donc juste ici. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, ok, donc Nathalie est arrivée, donc elle commence à pêcher. Donc, je vais noter, elle commence à pêcher à 9h30. Très bien, donc je rappelle, elle a 3 heures hein, pour pêcher. Et on va surveiller un petit peu ce qu'elle va faire pendant ces 3 heures, alors que Michael, il commence, lui, à 9h37. Très bien, donc on va les suivre un petit peu et on les retrouvera donc dans 3 heures. Alors, t'es déjà malade? Ah oui, évidemment, voilà. Elle s'est fait attaquer par des chauves-souris. Voilà, donc Aurore, clairement, elle va nous embêter. Hein, on regarde terriblement fatiguée, oui, parce qu'elle est si paresseuse. Alors, ce que je propose, c'est de voir pour améliorer sa compétence en malice. Ce serait pas mal hein, qu'elle puisse finalement voler plein de choses à nos chers voyageurs. Bon, on va faire n'importe quoi. Alors, lancer une rumeur grotesque. Bon, elle va se faire des ennemis, hein, mais c'est pas grave. Jouer un tour. On s'en fiche, nous tout ce qu'on veut, c'est qu'elle augmente sa compétence. Alors les autres sont toujours en train de pêcher. Regardez, bon elle s'est fait piquer par des chauves-souris, mais regardez cet air de satisfaction. Elle a fait sa blagounette, elle est la plus heureuse du monde. Bon, il va falloir qu'on s'occupe de son confort. Elle est terriblement fatiguée, évidemment. Donc, est-ce qu'ils sont toujours en train de pêcher? Oui, tout va bien. Donc, on va envoyer. Tiens, on va l'emmener aller aux toilettes ici. Et puis, elle va aller se faire une petite sieste. Hein, Donc, regardez, notre petit Aaron a terminé. Donc, on va découvrir tout de suite ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il a ramené beaucoup de bûches? Ou est-ce qu'il s'est fait mordre par un petit serpent? Oh le beau gosse, il a ramené 4 bûches de bois, excellent. Donc évidemment, comme vous aviez demandé à ce qu'il ait un bonus, et notamment de ramener plus de bûches de bois. Et donc en tout, il a ramené 6 bûches, voilà, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc Aaron a bien travaillé. Je vais l'emmener aller aux toilettes. Et donc on va envoyer tout de suite, donc là j'ai déjà commencé à envoyer. Notre petit Yann va pouvoir commencer à travailler donc le bois. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai disposé ici 6 bûches de bois, donc le bois que Aaron a récupéré. Donc 6 bûches de bois, il peut faire ça pendant 6 heures. Donc il a commencé à 12h30. Je vais noter. Alors ma petite Nathalie, bon alors tu as terminé. Alors si l'on regarde Nathalie, alors tu vas pouvoir aller aux toilettes, hein, t'inquiète pas. Et elle a pêché 2 poissons. Eh mais il est exceptionnel. Il vient de pêcher un deuxième poisson, Mickaël. Alors, Mickaël est censé... Voilà, il est niveau 1, normalement. Voilà, il atteint niveau 2 de pêche. Nathalie, elle est niveau 5. Et pourtant...
elle a ramené que deux poissons. Elle a vraiment pas eu de chance, hein. C'est bien, on a déjà pêché quatre poissons, donc comme ça, on va pouvoir commencer à faire une petite réserve. Alors du coup, Nathalie, ben, on va s'occuper un petit peu de tes besoins. Tu vas pouvoir rentrer, aller aux toilettes. Voilà, et toi, Mickaël, ben, globalement, c'est pareil. Alors, notre petit Aaron, il est tristoun. Ben, tu vas aller jouer, va jouer dans la cascade. Tu vas aller jouer... Ben, tiens, va jouer avec... Va jouer dans la cascade. Du coup, on va pouvoir envoyer notre petite Selma aller se chercher du bois. Donc Yann, tu vas continuer à bricoler. Tu peux faire n'importe quoi. Donc on va surtout faire attention à toi, à ce que tu fais. On va pouvoir envoyer Aurore au bateau. Donc aller chercher sa carte. Alors donc découvrons ensemble ce que Aurore va trouver dans le bateau. Et ce sera... un objet spécial, donc elle a trouvé un trésor, donc c'est le manuel du manipulateur. Vous êtes protégé lors des votes. Donc pour vous expliquer un peu plus la carte, donc en gros cette carte protège l'utilisateur lors des votes, s'il n'y a pas assez de nourriture et qu'il faut éliminer quelqu'un. Donc cette personne est protégée, voilà, si elle n'a pas assez de nourriture, puisque justement, voilà, elle va pouvoir manipuler tout le monde pour, voilà, ne pas voter pour elle. Ça va parfaitement bien à Aurore, voilà, qui va être complètement dédommagée, elle peut continuer à être relaxe et paresseuse. Elle a chopé une carte qui l'a bien protégée. Donc on a Yann qui continue pendant ce temps-là à... bricoler. Alors on va essayer d'augmenter le charisme de notre cher Michael, histoire que voilà, il atteigne rapidement un niveau exceptionnel pour pouvoir évidemment manipuler tout le monde si jamais il n'y a pas assez de nourriture, notamment pour lui. Ce serait pas mal. Alors découvrons ensemble ce que Selma a réussi à récupérer de son excursion dans les bois. Bon, je suis désolée Selma, mais tu t'es fait mordre par un serpent. Donc on retrouve notre Selma malheureusement qui est malade. Voilà, elle va être malade pendant un certain temps. Voilà, elle s'est fait mordre par un serpent. Donc elle va finir couchée. Donc Selma va aller tout simplement dormir. Et du coup pour le prochain épisode, ben, Selma ne pourra pas faire d'action. Donc ici tout le monde papote. Donc comme ça, petit Mickaël va pouvoir continuer à progresser en charisme. Voilà, il illumine la journée de tout le monde, il est super sympa, c'est le pote. Donc toi, t'as un petit peu froid, t'as qu'à d'un autre côté t'habiller. Hein. Oh, Selma, elle est tellement mal. Allez, dors, 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 t'as besoin de dormir. Alors, je vais emmener Nathalie se faire une petite douche à la cascade. Donc ici, on a Yann qui peaufine et qui termine ses derniers éléments. Alors, Aurore va continuer à être bien malicieuse, là, pour augmenter sa compétence en malice. Ce serait bien qu'elle atteigne bientôt le niveau 9. Alors voilà, notre petit Aaron, il a fini de faire ses 6 heures de bricolage. Donc il est quasiment niveau 6 en bricolage. C'est déjà pas mal. Donc quasiment plus que 2 niveaux avant qu'il ait atteint le niveau 8 pour commencer à faire les bateaux pour tout le monde. Alors globalement, tout le monde a fait sa tâche du jour. Donc on va pouvoir aller ici. Donc, nous voici l'heure du conseil. Je vous le rappelle, chaque fin de journée, nous allons faire un décompte de la nourriture. Donc, il faut qu'il y ait au moins une ration de nourriture par personne. Bon, je mets en pause parce que notre petit Yann, il a pas trop envie de rester là. Donc, chaque personnage a au moins une ration dans son inventaire qui était la ration de base. Donc, pour cette fois-ci, chacun va pouvoir manger. Donc, en tout, il y a eu 4 poissons qui ont pu être pêchés. Donc ça veut dire que 4 personnes parmi les personnes ici vont pouvoir manger ce soir. De manière aléatoire, je vais enlever une ration de nourriture à 2 personnes parmi les personnes qui sont ici présentes.
bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, parmi les personnes qui ont mangé du poisson, ben, nous avons Michael. Michael, lui, comme il est le meilleur en charisme, il a bien convaincu tout le monde pour lui donner une ration, donc un poisson. Donc lui a pu manger un poisson. J'ai tiré au sort et Selma doit enlever une de ses rations de nourriture. Pour ce qui est de la deuxième personne, donc de nouveau j'ai tiré au sort et c'est tombé sur Aurore. Donc Aurore également vient d'utiliser sa ration qu'elle avait au départ. Donc elle n'a plus de ration de nourriture actuellement. Et voilà, donc on va refaire juste un petit tour dans les inventaires. Donc je vais vous les afficher maintenant pour que, voilà, en fin de vidéo, vous puissiez voir les inventaires de chacun pour terminer sur cet épisode. Pour l'épisode prochain, je vous laisserai de nouveau voter dans la barre de commentaires pour savoir ce que Aaron, Aurore, Yann, Nathalie et Michael vont devoir effectuer comme action. Donc toujours, vous avez toujours le choix entre les 4 actions possibles, à savoir bricoler, pêcher, couper du bois ou aller chercher une carte au niveau du bateau. Je vous le rappelle, Selma est malade, donc elle ne pourra pas effectuer d'action au tour prochain. Elle va donc rester au lit ou à la plage en faisant pas grand chose en fait de toute la journée pour l'épisode prochain. Elle ne pourra d'ailleurs pas non plus utiliser son arme, donc vous n'aurez pas à voter pour cette possibilité là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en barre de commentaires. Si vous avez des suggestions ou quelques remarques possibles, n'hésitez pas non plus à me les faire part dans cet espace. Il est fait pour. On se retrouve la prochaine fois, donc je pense pour l'épisode 2 tout simplement. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.